Merci, Michael. À vous, les studios. Ah, attendez une minute. Quelque chose est en train de se passer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. C'est incroyable. Les déviants. Les déviants se sont mis à chanter. Everything will be alright. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while. L'heure de cesser le feu. On dirait que... Oui, l'armée bat en retraite. Ces images de déviants qui entonnent un chant face à la mort font actuellement le tour de la planète. Les déviants ne sont-ils que des machines défectueuses? Ou s'agit-il d'une nouvelle forme de vie que nous n'avons pas voulu reconnaître? Quand on voit ces images d'androïdes qui font face aux canons pointés sur eux, il est difficile de savoir s'ils simulent simplement la peur et le courage, ou s'ils ressentent ces émotions au fond d'eux, pour de vrai. On raconte que la présidente Warren serait intervenue personnellement pour sauver les androïdes. La manifestation pacifique des déviants et la dignité de leur dirigeant Marcus suscitent la sympathie d'une partie de l'opinion publique. C'est pourquoi j'ai pris la décision de suspendre la destruction des androïdes jusqu'à nouvel ordre. J'ai également demandé à un comité restreint du Sénat d'examiner les faits et d'entrer en contact avec les déviants afin de déterminer s'ils peuvent être considérés ou non comme une forme de vie intelligente. Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Car nous sommes vivants, nous aussi. Nous sommes une nation. Une nation qui a gagné le droit de vivre en liberté. Et aujourd'hui... aujourd'hui va commencer le vrai combat pour notre peuple. Nous devons mettre derrière nous notre amertume et panser nos blessures. Nous devons pardonner à nos ennemis. Les humains ont été nos créateurs et nos oppresseurs, c'est un fait. Mais demain, nous devrons en faire nos partenaires. Et peut-être même un jour nos amis. Le temps de la colère est révolu. Nous devons maintenant construire un avenir commun fondé sur la tolérance et le respect.
Nous sommes vivants! Et aujourd'hui, nous sommes libres! Terminé, Alice. On est libre.